Ah, je me sens super bien, là. Mettons que je pensais pas gagner parce que j'ai 16 ans, là, mais j'essaie vraiment de gagner l'amateur, mais j'ai mal commencé, là. J'étais plus de preset, donc je pensais pas que j'allais vraiment gagner, mais j'ai vu Justin Grimard qui avait posté moins 5, fait que je me suis dit qu'il fallait au moins que je finisse moins 5. Puis j'ai fait moins 7 birdies dans les 11 derniers trous, fait que non, c'était super le fun. En fait, j'étais un peu stressé, mais c'était pas si pire que je pensais que ça allait être pire, mais parce que j'ai jamais vraiment eu playoff de ma vie, j'en ai eu un, j'ai gagné, puis je pensais que ça allait être pire la première fois, ça n'a pas été situé. Fait que là, je me suis dit de juste relaxer puis continuer de jouer bien, j'imagine. Ouais, c'était pas si facile. Il y avait une petite bosse en plein milieu. Puis la vitesse des greens sont quand même assez vite. Là, fait que fallait que je fasse attention. Mais je pensais pas la mettre à un pied, mais je vais la prendre. Ben, j'ai déjà joué avec Émile, puis Émile, il est super impressionnant. Là. Émile, c'est le Bubba Watson du Québec, pas mal. Là. C'est le même que je l'ai. Il est là. C'est ça. Puis Justin, je le connaissais pas super bien, mais un super bon swing lui aussi. Là. Deux jeunes super, super impressionnants. Je suis vraiment, vraiment content. Ça fait un an et demi à peu près que j'ai de la difficulté avec ma game. Fait que cette année à date, depuis le début de la saison de golf, je joue quand même assez bien. J'ai fait beaucoup, beaucoup de travail cet hiver avec mon coach. Puis ça commence à payer, c'est le fun. J'ai aussi gagné ce tournoi-là en 2019 en tant qu'amateur. Donc c'est le fun d'avoir mon nom avec un P à côté sur le trophée. Ouais, en fait, j'ai fait deux potes au 15. Je m'étais mal clubé, puis j'avais frappé trop de clubs. J'étais 45 pieds en haut du trou, j'avais un pot super difficile. Puis j'avais un 6 pieds pour le par. L'année passée, je jouais super bien. J'étais en moins 5 rendu là. Puis j'avais fait un 3 potes au 15. Puis ça m'avait enlevé bien du momentum. Puis j'avais manqué le playoff par deux coups. Fait que cette année, je savais que c'était super, super important de faire deux potes sur ce trou-là. Puis quand le 6 pieds a rentré, j'ai fait un petit fist pump. Puis j'étais allé avec plein de momentum au 16.